dans cette vidéo pour vous parler des achats que j'ai fait en parapharmacie, mais aussi, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour vous parler de week-end que j'ai passé dans le sud il y a bien maintenant 15 jours. Je sais, j'ai tardé un peu à vous faire cette vidéo, mais je voulais vraiment vous montrer un petit peu le village qu'on a visité, qui était Saint-Guilhem-le-Désert, qui était vraiment très très joli. Je vous ai filmé quelques petits passages. Et je voulais vous parler aussi d'une parapharmacie où ma copine m'a emmenée. Je vais commencer par vous montrer Saint-Guilhem. C'était très agréable, en plus il a fait super beau, donc franchement c'était au top. Donc la parapharmacie où ma copine m'a emmenée, elle se trouve à Quissac, et franchement c'est la parapharmacie, je n'ai jamais trouvé une parapharmacie aussi peu chère que celle-ci. Donc Quissac, c'est dans le 30 et c'est la grande parapharmacie Chabrol, la grande pharmacie Chabrol. Donc pour celle du coin, si vous ne connaissez pas, ben, foncez-y, et si vous connaissez, ben, vous avez vraiment de la chance. J'essaierai de vous retrouver un site internet, une adresse, quelque chose, et je vous la mettrai en barre d'infos pour celles que ça intéresse. Et je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté. Donc j'en ai eu pour 77,60€, un gros craquage, mais franchement ça valait vraiment. Des petits trucs pour mettre dans l'aspirateur. Donc ça se présente comme ceci, c'est de la marque Aspirea, ça détruit les acariens et les bactéries. Donc voilà, j'ai voulu essayer, c'était 1,70€ pièce. Donc j'ai pris celui au citron et j'ai pris celui thé vert jasmin. Donc je pense que ça va sentir très bon. Donc je vous dirai un petit peu dans les produits finis si ça m'a plu ou pas. Ensuite, la deuxième chose que j'ai pris, c'est un produit de la marque Garantia. C'est ceci, donc c'est l'eau démaquillante micellaire visage, yeux et lèvres sans rinçage. C'est les nouveautés qu'ils ont sorties. Et celui-ci, c'est à l'amande douce. Et voilà, j'avais essayé celui à la fleur d'oranger, j'ai adoré. Oh, ça sent vrai, ça sent la colle Cléopâtre, ça sent trop bon. Et donc là, j'ai voulu tester celui à l'amande douce. Et pourquoi aussi j'ai tardé à vous faire cette vidéo, c'est parce que je prenais l'avion pour rentrer et ben, dans le bagage cabine, tous ces produits-là, ça ne serait pas passé. Donc ma copine me les a envoyés par la poste tout simplement. Et oui. Alors ensuite, j'ai pris également ceci. Donc c'est de la marque NutriSanté. C'est de l'extrait de pépins de pamplemousse, un fortifiant pour les défenses naturelles. Il y a également de la vitamine C dedans. Voilà. Donc j'ai voulu tester ça. Il paraît que c'est très bien, c'est très pratique et ça aide bien pour les défenses immunitaires quand l'hiver arrive. Donc voilà, moi j'ai pris un 50 ml et cette petite chose. Ah, le démaquillant Garantia, je vous ai pas dit, c'était 10,90€. J'essaierai de vous trouver les prix chez Sephora ou dans d'autres magasins pour vous montrer un petit peu la différence. Et l'extrait de pépins de pamplemousse, c'était 4,50€. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, je dis des bêtises. En fait, ma copine a pris la même chose que ça, mais vous savez, dans le pochon mou, là. Et le pochon mou, c'est 400 ml, c'est 10,90€. Et ça, c'est 100 ml et c'est 9,40€. Donc voilà, j'avais peur que ça se crève dans le transport, enfin dans le colis, donc j'ai préféré prendre celui-ci. Mais franchement, vous avez 300 ml de plus pour 1,50€ de plus, quoi. Donc ça vaut vachement le coup de prendre les trucs transparents.
Moi, je vais garder ça et je rachèterai les trucs transparents après. Ensuite, j'ai pris la fameuse eau dont tout le monde parle, l'Aqua Magnifica de chez Sanoflore. Donc c'est l'essence botanique perfectrice de peau qui libère des impuretés, oxygène la peau, resserre les pores et illumine. Donc voilà, moi j'ai pris celui-ci, c'est un 200 ml et ça valait 9,90€. Et je crois qu'il est dans les 15€ autrement. Ça a une odeur assez particulière, donc je verrai bien, mais il paraît que ça fait un effet du tonnerre, donc à voir si ça marche vraiment sur moi ou pas. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Donc c'est un produit de la marque Garantia, vous savez mon amour pour les produits de la marque Garantia. Celui-ci c'est Que mes rougeurs disparaissent, c'est le sérum concentré de beauté. Il était à 24,20€ et il me semble que moi en général il est à plus de 45€. Donc ça valait vachement le coup niveau tarif. Donc ça se présente comme ceci, voilà, et c'est un pchit tout simplement. Donc c'est une petite crème, hein, petite crème. L'odeur, bah c'est l'odeur des produits Garantia tout simplement. Donc voilà, à tester parce que j'en ai ras la casquette d'avoir des rougeurs au niveau du nez. Et j'ai franchement envie que ça s'arrête. Donc j'espère que ce petit truc fera effet. En tout cas, je vous en dirai des nouvelles quand je l'essaierai. Ensuite, j'ai pris également des petites gels douche de la marque Knepp. Knepp, vous connaissez, enfin je vous en ai déjà parlé dans les mousses de douche que j'adore. Et là, j'ai pris deux petits gels douche qui font 75 ml. Donc au pire, si je repars en avion, ça peut être pratique. Mais sinon, quand on part en week-end, tout ça, c'est pratique d'avoir des petits formats comme ça. Le premier que j'ai pris, c'est Mint Eucalyptus. Et celui-ci, je le connais en mousse de douche et j'adore son odeur. Ça sent vraiment hyper bon, c'est hyper... En fait, ça sent un peu le Vicks Vaporub, donc je pense que même quand on est malade, ça peut être très sympa. Et le deuxième que j'ai pris, c'est... Ah, c'est marrant, celui-ci, c'est marqué bulle d'oxygène, et celui-ci, c'est marqué bonne humeur, et celui-ci, c'est fruit de la passion, pamplemousse. Et ça sent hyper, hyper, hyper bon, franchement, ces petits gels douche-là, c'est vraiment une tuerie, quoi. Et ça valait 1,50€ et 75 ml, donc je trouve que ça va encore... Ensuite, un autre produit que j'ai pris parce que j'avais envie de tester et voilà, j'avais vraiment envie de tester cette marque. C'est un petit kit de la marque Taj. Je sais que l'eau micellaire, il y a beaucoup de monde qui en parle et tout le monde dit que c'est vraiment très très bien. Il y a un truc étrange dans mon paquet. Enfin bref. Alors, dans ce petit kit, vous avez tout simplement le petit... La petite, j'ai l'impression qu'il y a un produit qui a, je sais pas, c'est étrange, mais enfin bref. La petite eau micellaire de la marque Taj, donc démaquillante, tonifiante, apaisante, qui est ici. Vous avez la crème hydratante texture légère qui est ici, en 15 ml. L'autre c'est en 35 ml, l'eau démaquillante. Ensuite vous avez la crème de douche gourmande Ocassis en 30 ml. Ça doit sentir trop bon ça. Elle n'est pas ouverte, mais c'est une crème de douche, donc je vais pouvoir l'ouvrir. Hein. Ouais, ça a l'air de sentir trop bon, donc à voir ce que ça donne. Voilà. Et le dernier produit, c'est le soin régénérant aux karité nourrissant protecteur raffermissant pour peau sèche à très sèche. Donc c'est pour le corps et c'est en 30 ml également. Donc voilà, des petits trucs pratiques. J'aime beaucoup ces petits kits parce qu'en plus, vous pouvez les emmener en avion. Et d'un, vous pouvez les emmener en avion. Et de deux, c'est pratique quand on part en vacances, en week-end ou quoi que ce soit pour pas emporter des gros paquets, des gros packaging. Donc voilà, ça c'était 6,90€ pour la petite trousse de voyage. Et le dernier produit que j'ai pris, c'est ceci. C'est un produit de la marque Pure Essentielle, une marque que j'aime beaucoup. C'est un stick roll-on anti-stress aux 12 huiles essentielles 100% naturelle et pure active pour vous aider à libérer les tensions nerveuses, apaiser l'esprit lors d'émotions trop oppressantes. Donc voilà, moi je suis une grande stressée, ça paraît peut-être pas comme ça, mais je suis une grande stressée et je voulais tester ce petit roll-on. Je vais voir un petit peu avec vous. En plus c'est pratique parce qu'on peut le glisser dans le sac à main. Ça sent les huiles essentielles. Ça sent pas mauvais, c'est assez sympa. Bien agité avant utilisation. Qu'est-ce qu'ils disent?
Appliquer sur les poignets, les tempes et artères du cou, se frotter les poignets l'un contre l'autre et respirer profondément le parfum des huiles essentielles chaque fois que la sensation de stress se fait sentir et prendre 10 grandes respirations. Donc je pense qu'il y a un petit effet placebo dedans, mais bon, c'est pas grave, on verra bien. Donc il y a de la camomille, de la lavande, du lavandin, de la marjolaine, de la menthe poulio, du néroli, de l'orange, de petits grains du bigaradier, du santal, de l'amaris, de la sauge sclarée, du vétiver, de l'ylang-ylang, aux vertus apaisantes, délassantes et relaxantes. Voilà. Écoutez, je verrai bien si ça m'apaise ou pas. Si ça vous intéresse, dites-moi, je vous dirai si ça a marché sur moi. Donc voilà, je vais mettre ce petit truc dans mon sac à main. On ne sait jamais, ça peut servir. Et ce petit truc, ça valait 5,40 €. Voilà, j'ai fini avec cette vidéo. J'espère en tout cas que cette petite balade à Saint-Guilhem-le-Désert vous a plu. J'espère que ce petit vlog haul, tout ça, vous aura plu. Je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à très très bientôt. Salut, salut!